Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle édition Ticket Show. Ça, nous connaissons déjà qui est présenté par moi-même, Cindy Ducrépin. Et bien, dans le chronogramme, jeudi, nous allons parler de funérailles Junior Metellus qui est arrivé fête 9 novembre dernier, des funérailles de la sobriété. Nous allons parler de Bénédiction qui est le premier EP, un artiste évangélique qui relaie Carl Émile. N'a parlé tout de lancement 9e édition de théâtre éducation qui c'est une initiative fou disait et n'a parlé tout de réseau qui c'est une plateforme de diffusion et de production de podcasts. Les funérailles de l'acteur Jimmy Metellus ont enfin eu lieu le 9 novembre dernier au Parc du Souvenir. C'était un moment côté, en fait, pas vraiment gain des personnalités qui étaient présentes, sinon que membres de famille. C'est ça qui fait article, ça a titré des funérailles dans la sobriété et tout. Si pas de gain moun dans le secteur culturel qui était vraiment là, à l'exception de réalisateur Jacques Walk, nous connaît qui était fait film, puis d'espoir. Qui était vraiment fait qu'on est Junior Metellus comme acteur, eh bien, tu as une absence de Madame Junior, nous connaît après l'amoli qui était dénoncé famille, qui d'après lui-même était allé avec Maril pendant Maril était en malaise sans autorisation. Dans l'occasion, nous avons parlé avec avocat famille Junior Metellus en nous disant ça l'état petit. Nous faisons conseil de famille, là. Depuis le conseil de famille, là, nous dit bon, moi, j'ai cadavre gain un mois et quelques jours de 25 à nos jours ouais qu'il est enterrement en fait je dis à moi 9 non qu'on a nous dit ah qu'on est là maman dit l'enterrement c'est maman qui met plus de la marie avec elle madame Deralien dit que l'enterrement parce que si mon il met marie avant il pas rien aucun bagaille et c'est des timi avant pas gain bien pas rien là il n'y a rien le roi perd ses doigts. Si tu as bien pour bien, pour bien. Ok, bon, nous pas bien, nous pas rien. Si tu as bien, tu as chanté, tu as raison pour petit comme héritier. Hein? Moi, je pas héritier, non. Bien depuis, mon nom, mon il est petit. Pour héritier, encore, non? Qu'on est là, et puis c'est comme ça, maman, prend décision, pour le finir là. Mais c'est comme ça, nous dit avocat, il était dans le bureau, et juge de paix, titulaire petit en ville là, nous dit, mon cher, maman dit, en terme à fête, lundi, il y a posé le dimanche. Bénédiction, c'est titre EP, ça a que un jeune artiste évangélique qui est Carl Émile Fink mette sous pied. Yon EP qui gagne participation des artistes tant que Sébastien Pierre. Oui, Sébastien, nous songe qui était un ancien Digicel Stars. Eh bien, il était converti, ça a gagné quelques temps, il participe sous EP, ça a nous rejoint tout. Wod Yumi qui c'est un autre champion Digicel Stars qui participait sous EP, ça a. Sous EP, ça a nous jeune bien. Bien sûr, 6 titres parce qu'il s'agit vraiment d'un EP. Et parmi les titres, il y a Bénédiction, Célébré, Full of Grace, M'pape en avec My God. Théâtre et éducation qui c'est une initiative de Food Disait qui toujours faite au niveau de l'école. Yo. Et bien là, il est retourné pour une 9e édition après avoir fini passé 4 années sans yo pat organiser une telle initiative. Yon 9e édition qui lancée autour du thème Le Théâtre Forum, outil de changement social. Et avec 9e édition, ça, organisateur surtout voulait mettre accent sur environnement avec l'hygiène. Nous avons parlé avec quelques responsables Food Disait en nous tendant ça au tab dit. Pour nous, c'est vraiment à qui on grand plaisir parce que théâtre éducation gagne près de 3 ou 4 ans depuis qu'il n'est pas arrivé fait à cause des subventions. C'était l'idée pour nous de porter spectacle de l'autre qualité par les gens, surtout élèves de l'école. C'est-à-dire et public cible nous c'était l'école, ça s'appelle et puis sous non théâtre éducation nous bon et l'idée qu'à plusieurs l'autre oui. Fois mais public cible nous c'était l'école
Et c'était toujours un plaisir pour nous, les nous ouais des spectacles, si nous n'avons pas une chance de garder soit qui jouait dans 4 chemins ou bien dans le festival contre bâtonnel. Et l'initiative ça a été une possibilité pour vivre le spectacle ça. Et l'école lui était toujours recevoir un spectacle yo, à, yo. Et bon, l'école qui était recevoir yo, Timon yo était toujours bien content. Bien que faut me dire tout, depuis la naissance activité ça, nous était toujours joint de l'école. Des fois, nous ne pouvons pas sacrer la tête, mon yo, peut-être que nous avons pensé son l'argent ou bien faire avec yo. Bien, peut-être tout, c'est une question de culture. Nous ne pouvons pas sacrer la tête et puis ça n'a pas intéressé. Quand on a l'école qui refusait catégoriquement, mais l'école qui a accepté, c'était toujours un bel plaisir. Chaque artiste qui vient performer, et Timoun Sayo, il est content, il vient poser des questions après. Réseau, c'est une nouvelle plateforme de diffusion et de production de podcasts qui a gagné pour lancer très prochainement là sur les réseaux sociaux. Et la plateforme ça qui propose pour éduquer et informer le grand public. Là, il y a un latrier chroniqueur parmi notre sister M nationale, Myria Scholl. Nous joignons tout Johnny Selikou aka Jesse. Nous joignons Romel Abeller, Franzi Siméon, Sandra Rabouin et un pilote personnalité. Et notre ticket, ça qui te fait une lundi dernier, c'est surtout ça qui te mettait internet là chaud pendant début semaine. C'était fiançailles, Rachel Guillaume, la rebelle a trouvé son homme. Et bien, nous t'es ouais vidéo, nous t'es parlé de ça tout dans l'édition ticket show passé à côté. Rachel, oui justement, son chéri t'es fait de Madeleine à Los Angeles avec un bague en diamant 1.5 carats. Et bien, article ça a retracé moment fiançailles ça. Nous capable aller consulter sur www.lenouveliste.com. Et na mardi ça qui t'est fait une, c'est Kamala Harris, madame la vice présidente. Kamala nous connaît qui vini première femme vice présidente des États-Unis d'Amérique et aussi première femme noire qui rive dans un tel poste. Kamala Harris qui gagne 56 ans et qui représente désormais une source d'inspiration et d'aspiration pour les femmes. Kamala, qui te fait connaître par des propos de Victoire Lee que je suis peut-être la première femme à ce poste, mais je ne serai pas la dernière. Car chaque petite fille qui regarde ce soir voit que c'est un pays de tous les possibles. Et dans mercredi, ça qui te fait une ticket, c'est Joe Biden aux portes de la Maison Blanche. Joe Biden nous connaît, oui, depuis week-end, qui vient 46e président des États-Unis. Même si actuellement, là, Donald Trump poco accepté défaite. Donald Trump qui promet avec tout avocat, il va traîner dossier devant Cour suprême. Monsieur qui joue les mauvais perdants. Eh bien, article ça a retracé parcours Joe Biden, un parcours qui n'est pas dénué de en pile épreuve. Nous capable aller consulter li sur www.lenouveliste.com. Et pour week-end, qui activité qui gagne côté nous ka aller retirer quelques stress parce que nous connais situation déjà. Eh bien, nan samedi nous capable aller danser impossible oui. Impossible poco fini. En fait, li poco fini ba nous plaisir. Impossible sera du côté de Delma 33 dans un club rendez-vous 33 en compagnie de Ram. Là nous gagnons belle vraiment un beau tandem côté nous capable aller prendre plaisir nous dans samedi et surtout pour nous habiller en blanc parce que dress code là c'est tout de blanc. Et le dimanche, nous capable encore aller danser impossible. Oui, fois ça, c'est à Tabar, dans le club 36. La part accompagnée de Darlene Desca, Prestes Douget et Bimix. Et si nous pas envie de sortir, nous conseillons nous lire Gouverneur de la Osée. Gouverneur de la Osée qui vraiment c'est un classique. Si nous lire déjà, nous capable relire, redécouvrir histoire ça.
qui c'est vraiment, j'aime t'ap dit tout à l'heure, yon classique dans littérature haïtienne. Gouverneur de la Ose qui déjà traduit dans une vingtaine de langues et fois ça yo traduit li, yo fait que traduit li là en japonais. C'est un professeur japonais, un professeur d'université qui relaie Hiroshi Matsui. Par contre, si je prononce ce nom bien, mais l'essentiel c'est que le livre là, il fait que traduit en japonais. Nous sommes capables d'aller découvrir le livre ça. Pas en japonais, bien sûr, en français. Nous sommes capables d'aller de l'île ou bien redécouvrir l'histoire ça. C'est là nous mettons en bout à l'émission nous aujourd'hui. Un gros merci à nous-mêmes qui t'a regardé. Merci à l'équipe technique là, Gerdi, Abdon, Sami Belade, Lunette. Merci à Gaël, Alexis pour maquillage là. Merci à Napis Doun qui coiffe mais qui fait zong moi. Merci à Daphné Valse Malandre qui pral regarder l'émission avant de publier. Et moi-même, si me dit du que peut me ba nous rendez-vous pour une prochaine fois. Bye bye, à bientôt.